Shalom, famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle. Alors, durant cette période confuse, l'Église Vase d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre sainte scène. Faisons notre culte. Connecte-toi. Assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre sainte scène, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine venir la déposer à l'église Vase d'honneur située à Engrais 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact plus 225 42 71 78 19 plus 225 03 31 65 57. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « j'étais » ou le « je serai », mais il est celui qui est. Le « je suis », celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le « je suis », celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le « je suis », celui qui ne t'abandonnera jamais. Le « je suis », celui qui marche à tes côtés. Le « je suis », celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le « je suis », celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le « je suis », celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le « je suis », celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le « je suis », celui qui ne change pas. Le « je suis », celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le « je suis », celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom cette fois avec moi? Jésus. 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 Au nom du Seigneur Jésus, nous crions Hosanna car il est celui qui nous rachète. Nous crions Hosanna à toi Seigneur. Nous sommes dans la joie, Père, de te recevoir dans nos vies, dans nos maisons. Nous sommes dans la joie d'entrer dans ta présence. Hosanna, parce que nous avons la bonne nouvelle. Ah, de Jésus dans nos vies. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois glorifié. Hosanna à toi, Seigneur.
ceux qui respirent, c'est crier Hosanna, Hosanna, toi Seigneur le ressuscité, Hosanna, car une bonne nouvelle nous est donnée, Jésus notre Rédempteur, Jésus le Rocher, sur toi nous nous appuyons, Hosanna, au Dieu de mon salut, Hosanna, au Dieu de mon salut. Chantons ensemble, Hosanna. Hosanna. Au plus haut, au plus haut. Élevons le Seigneur. Que notre roi, que notre roi, roi, notre roi, nous voulons le dire encore plus haut. Oh,
reçois, Seigneur, ce que les hommes ont pu prononcer comme diagnostic. Toi, tu es le Dieu très haut. Toi, tu es le Dieu très haut. Ma vie est entre tes mains. Eh oui, tu es. Oui, tu es. Seigneur, comment ne pas te célébrer en ce jour merveilleux que tu nous donnes, ô Père. Oui, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, Papa, parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, Papa, tu es digne d'être magnifié, ô Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle ton peuple t'adore ce matin. Ton peuple te célèbre ce matin. Ton peuple te proclame ce matin. Oh, élève ton Dieu. Glorifie ton Dieu ce matin. Glorifie le roi des rois ce matin. Oui, un prince et une princesse du Seigneur. Un prince et une princesse du Seigneur se tiennent debout ce matin dans la glorieuse présence du roi des rois et commencent à proclamer son Dieu.
et commence à célébrer son Dieu. Élève la voix, élève la voix et dis à ton Dieu ce que tu penses de lui. Dis à ton Père toute la louange qui est dans ton cœur, tous les mots d'appréciation, les mots de célébration qui sont dans ton cœur ce matin. Oui, élève la voix et annonce, annonce les bontés de ton Dieu, annonce la fidélité de ton Dieu, proclame son amour qui est insondable, son amour qui est incommensurable. Oui, il est au-dessus de toute chose, il est au-dessus de toute chose, il est au-dessus de toute chose. Oui, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève la voix et proclame le roi des rois. Proclame le Seigneur des seigneurs. Proclame sa seigneurie, sa majesté. Il est au-dessus de toute chose. Oui, il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus des difficultés. Il est au-dessus même des catastrophes naturelles. Oui, ton Dieu est au-dessus de toute situation et de toute circonstance. C'est la raison pour laquelle tu vas te tenir debout avec moi et acclamer, acclamer de toute ta force et acclamer de tout ton cœur celui qui est Seigneur au siècle des siècles, celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Je te salue dans le nom de Jésus et je voudrais te dire bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia, oui, bienvenue dans la présence de Dieu parce que tu es dans la présence de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu est avec toi. Alléluia. Et parce que tu es le temple du Saint-Esprit, sa présence remplit l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Et tu vas lui apporter un culte agréable ce matin. Tu vas lui apporter une adoration qui montre du plus profond de ton cœur. Alléluia. Par les cantiques, par les pas de danse, par la célébration de tout ton être, tu vas célébrer ce Dieu qui mérite notre louange, ce Dieu qui mérite notre adoration. Oui, c'est lui qui nous a gardés tout au long de la semaine écoulée. Il a pris soin de nous. Et même dans les moments difficiles, il ne nous a pas oubliés. Même quand nous avons été confrontés à l'adversité, sa main a été toujours présente pour nous sortir de situation. Et quand la tristesse a voulu saisir notre cœur, il a été là pour nous consoler, pour relever notre âme abattue. Alléluia. Alors si tu te souviens des bontés de l'Éternel ce matin, proclame ton Dieu. N'hésite pas à le célébrer de tout ton cœur. Danse de tout ton soul ce matin, parce qu'il en est digne. Alléluia. Parce qu'il en est digne. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur des Hébreux, dans Hébreux 13, le verset 15 nous dit ceci: offrons donc par lui, c'est-à-dire par Christ, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Alors crie alléluia, crie alléluia. Amen. Et le texte continue en disant: mais n'oubliez pas. Oui, n'oublions pas la bienfaisance, alléluia. Et n'oublions pas la charité qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu, alléluia. Nous devons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes. Et le verset dit que c'est à cela que Dieu prend plaisir, alléluia. Dieu prend plaisir au sacrifice qui vient non seulement de nos lèvres, mais également au sacrifice qui vient de nos poches et de nos biens, alléluia. Nous allons apporter au Seigneur en louange, en sacrifice de louange, nos offrandes et nos dîmes, alléluia, parce qu'il en est digne. Et nous allons donc suivre toutes les indications
qui s'affiche maintenant à l'écran pour apporter notre célébration au Seigneur à travers nos dîmes et nos offrandes. Et si tu n'as pas la possibilité d'utiliser l'un des moyens qui s'affiche à l'écran, tu vas prendre une enveloppe, bénir Dieu pour l'offrande que tu lui apportes et mettre l'argent dans cette enveloppe que tu pourras déposer dans le courant de la semaine à l'église Vase d'honneur Centre Kodesh ou au siège de l'église. Alléluia. Nous allons continuer à célébrer ce Dieu qui est digne de louange, ce Dieu qui est digne de notre adoration. Que toute la gloire lui revienne. Verset 37, Jésus s'est écrié: si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, nous avons soif de ta parole, nous avons soif de toi, nous avons soif de tes instructions. La vie, le monde nous laisse insatisfaits. En ta présence, nous te voulons, nous avons soif de toi. Parce que Seigneur Dieu, c'est toi qui es l'eau de la vie. Tu
es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, qui ne taris jamais, tu ne taris jamais, disons-le ensemble. Seigneur, c'est toi qui es l'eau de la vie. La vie, c'est toi qui désaltère. Et tu ne taris jamais. Mon Dieu, tu es l'eau de la vie. C'est toi, mon roi, qui désaltère mon âme et mon esprit. Ah, tu ne taris jamais. Seigneur, tu ne taris jamais. Je dis, mon Dieu, tu es l'eau de la vie. Ah, et tarissable torrent, tu ne taris jamais. Seigneur, tu désaltères nos âmes. Seigneur, tu comptes nos vies. C'est toi, mon Dieu, qui es l'eau. Mon Dieu, c'est de toi dont j'ai besoin. Cette femme pensait qu'elle avait besoin d'un sixième mari pour étancher sa soif. Mais tu lui as dit que si elle boit de cette eau, elle aurait encore soif. Que tu es celui-là qui donne de l'eau, qui est désaltère pour toujours, qui étanche la soif pour toujours. C'est toi je veux, Jésus, c'est toi je veux. Seigneur mon Dieu, tu es l'eau de la vie. Mon Dieu, est intarissable torrent. Tu ne t'as. C'est pourquoi, Seigneur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Mon Dieu, inonde mon cœur. Jésus, inonde mon cœur. Ah, Seigneur, inonde mon cœur. Mon cœur a soif de toi. Pendant longtemps, j'ai couru après plusieurs choses. Seigneur, mais Dieu, c'est toi seul qui sais combler nos cœurs, qui sais combler nos vies. Inonde, inonde mon cœur. Oh, oh, oh. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Jésus, Jésus. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Seigneur, remplis ma vie. Mon Dieu, remplis ma vie, 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 mon Dieu, remplis ma vie, remplis ma vie. Seigneur mon Dieu, conduis mes pas. Conduis mes pas, liez ma mot, conduis mes pas, je ne sais pas marcher, conduis mes pas, Jésus conduis mes pas, conduis mes pas, dans les déserts Seigneur, conduis mes pas, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, conduis mes pas, Jésus conduis mes pas, conduis mes pas, je risque d'être ébranlé, conduis mes pas, Seigneur conduis mes pas. Dieu conduit mes pas, conduis Jésus conduit mes pas, Seigneur conduit mes pas, conduis mes pas. Je dis dirige-moi, dirige-moi, dirige-moi Seigneur, révèle-toi moi. Seigneur dirige-moi par ta parole, dirige-moi. C'est ta parole qui étanche notre cœur, c'est ta parole qui change nos vies. Seigneur, Seigneur, j'ai soif de ta parole. Viens nous diriger par ta parole. Viens nous enseigner par ta parole. Viens combler nos cœurs par ta parole. Jésus, tu fais toutes choses par ta parole. Tu envoies ta parole et nous sommes guéris. Par ta parole, tu crées. Par ta parole, tu transformes. Par ta parole, tu guéris. Par ta parole, tu orientes. Enseigne-nous tes voies. Donne-nous un cœur disposé. Dirige-moi. Seigneur, dirige mes pas, dirige mes pas. Oui, mon Dieu, dirige mes pas. Est-ce que
que nous pouvons acclamer le grand roi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu très haut, Dieu très fort, j'acclame ton nom, 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 on y va, j'acclame ton nom. J'acclamerai et j'acclame ton nom, Seigneur Dieu. Je te célèbre en toute situation et circonstance. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. Alléluia. Nous te célébrons, nous t'élevons. Seigneur mon Dieu, nous acclamons ton nom, nous célébrons ton nom. Merci Père pour ta présence et pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen au Seigneur Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Nous sommes contents d'être ce dimanche, Seigneur Jésus, dans ta présence. Nous bénissons ton nom, Père, parce que nous sommes dans ta présence. Quel endroit extraordinaire. Quel moment merveilleux, Seigneur Jésus, avec toi. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur parce qu'on est content dans la joie d'être dans sa présence. Amen. Quel jour glorieux, quel jour merveilleux. Yes. Alléluia. Amen. Même si on a la nostalgie des cultes en présentiel, ah, tu sais, présent physiquement ou pas, je continue d'adorer, de célébrer, d'élever ton nom, de dire que tu es Dieu, de dire que tu es bon, de dire que tu es saint, mon Dieu. Tu es extraordinaire, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le culte, que l'environnement, que le fait de ne pas être dans la salle des cultes ne te distrait pas. Alléluia. En début de ce message, on donne les consignes. Comment faire un bon culte à partir des écrans? Comment faire un bon culte? Il faut que tu sois véritablement, tu crées l'environnement. Et je t'assure, c'est un très bon exercice spirituel de s'habiller convenablement comme si on venait physiquement au culte, de se disposer, de préparer son offrande, de préparer son adoration et de chanter à haute voix. Amen. Quand on chante, les gens... Mets le volume de ton truc et puis chante sérieusement. Amen. Chante sérieusement. Voilà. Alléluia. Amen. And just to have that, this message, you can follow this message in English. For brother and sister who are here who speak English, we can follow this message in English. We have the link which appear on the screen. Join that address and you will receive my message in English. English. Hallelujah. Et pour ceux qui parlent français, si vous avez des amis qui parlent anglais, vous voulez aussi les inviter à être bénis par ce culte. Diffusez ce lien du culte en anglais, voilà, qui défile sur l'écran. Diffusez-le leur afin qu'ils puissent se connecter et entendre simultanément le culte en anglais. Alléluia. Voilà, Vazonner est une église multilingue. Amen. Nous croyons que par la grâce de Dieu, très bientôt, nous pourrons nous retrouver physiquement. Amen. Pour ceux qui avaient l'habitude d'être là en présentiel et pour toutes ces âmes qui ont été gagnées pendant cette période assez délicate, on pourra se retrouver physiquement ici. Et je bénis Dieu vraiment parce qu'on a expérimenté un peu tous nos frères, ce que tous nos frères et sœurs qui sont les Vazonner en ligne vivent tous les dimanches. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, c'est vraiment une œuvre extraordinaire d'être connecté tous les dimanches à ces cultes. Et on a su apprécier votre détermination et votre foi. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez des instruments pour que des églises physiques aussi naissent là, le pays, la ville dans laquelle vous êtes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors avant d'entrer dans le vif de mon message, je voulais t'annoncer donc pour le 1er juin, dis avec moi 1er juin. 1er juin, alors une information spéciale, nous allons avoir un programme spécial. Le 1er juin, c'est le lundi de Pentecôte, nous allons avoir un programme spécial et juste la régie nous balancer une petite vidéo rapide pour présenter ce programme. Pentecôte 2020, lundi spécial de Pentecôte à Vazonner.
un moment où le Seigneur répandra son onction sur son peuple. Effusion, Joël 2, verset 28. Une nouvelle dimension pour la fin des temps. Effusion, lundi 1er juin 2020 à partir de 16h, avec le pasteur Mohamed Salobo et comme invités spéciaux, le pasteur Ivan Castanou de l'église Impact Centre Chrétien et le révérend Steve Mansa de l'église charismatique Evangelic Ministry. Rendez-vous en direct sur nos pages Facebook et YouTube, Église Vase d'Honneur, et sur notre site www.vasedhonneur.org. Pentecôte 2020, l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comme tu as pu le lire, dis avec moi, effusion. Voilà, effusion. Le mot effusion signifie répandre quelque chose. Amen. Sur les personnes. Donc, répandre de l'huile. Alléluia. Et lorsque le Seigneur dit en Joël 2:28, je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est une synonyme. Donc, il y aura donc l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. C'est vrai que quand on lit les textes de la parole de Dieu, les derniers temps semblent très difficiles. Dans les derniers temps, les hommes seront méchants, les hommes seront ceci. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand homme se refroidira. Dans les derniers temps, il y aura un mouvement d'apostasie. Mais Dieu dit aussi, alléluia, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Donc face à ce monde qui est en train de descendre, Dieu aussi annonce qu'il y a une effusion nouvelle du Saint-Esprit. Et je sens dans mon cœur que ces événements-là, avec le vide zéro, qui sont des signes très forts annonciateurs du retour de Jésus, nous dispose à un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit. Et pour ce lundi de Pentecôte qui célèbre la venue du Saint-Esprit, nous croyons que Dieu va déverser sur toi, sur moi, une onction particulière. Donc, après toi, le 1er juin, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension de revêtement. Le 1er juin, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension de grâce. Dieu va changer ton ancien vêtement d'onction et il va te mettre un nouvel vêtement. Tu vas opérer à une nouvelle dimension dans l'onction. Ne manque pas le rendez-vous du 1er juin à partir de 16h, heure d'Abidjan, donc 16h GMT, 18h donc en France, en Europe, en France particulièrement. Amen. Et puis tous ceux qui sont dans le fuseau horaire français. Donc 16h, nous nous retrouvons. Amen. Et je ne serai pas seul pour partager avec toi cette nouvelle dimension du Saint-Esprit. Je serai avec le pasteur Ivan Castanou. Amen. Depuis Paris, il va donner un puissant message. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Et puis, Dieu nous a connectés à une onction très particulière. Depuis déjà, je ne sais plus combien d'années, peut-être 5 ans, cet homme de Dieu-là, il n'a jamais manqué la Pentecôte à Abidjan. C'est comme s'il a une grande église, mais la Pentecôte, son adresse, c'est Abidjan. Alors quand je lui ai dit ça, je lui ai parlé du programme. Et c'est vrai que tu te vois de qui il s'agit comme orateur, n'est-ce pas? Alors quand je lui ai parlé du programme, on a dit, il dit c'est vrai qu'il n'a jamais manqué la Pentecôte. Donc malgré le corona, malgré le vide zéro, il va venir par la parole, pas physiquement, par la parole dans le visuel. Je parle du révérend Steve Mensa qui sera avec nous, amen, pour Effusion 2010. Alléluia, Effusion du Saint-Esprit 2010. Et puis je suis en train de voir si certains autres amis peuvent venir avec nous. Donc on va écouter des messages et puis avant avoir un moment de prière où chaque homme de Dieu va prier pour qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit. Quel que soit l'endroit où nous sommes dans le monde, gardez ce rendez-vous important le 1er juin, lundi 1er juin à partir de 16h. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que par ta grâce divine, tu sois présent à ce rendez-vous divin au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour les chants pour intimer si croyeurs. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer notre enseignement. Et aujourd'hui, comme le dimanche passé, on sera vraiment dans une atmosphère de délivrance profonde, de délivrance par la parole et de délivrance par la prière. Mais tu vas recevoir par la grâce de Dieu des ingrédients qui vont te donner cette délivrance. Tu sais, le retard, parce que c'est de ça dont il s'agit, le désert des longues attentes, qu'on appelle le défi numéro 4, par rapport aux 10 types de défis auxquels un homme, un chrétien, un croyant est confronté dans sa vie. Alléluia. Et donc, chaque défi a une victoire qui lui est assignée. La victoire que j'appelle donc la victoire numéro 4, que j'appelle donc la visitation divine ou encore le souvenir de Dieu.
Amen. Lorsque quelqu'un est confronté, lorsque dans ta vie tu attends longtemps pour te marier, longtemps pour avoir un enfant, longtemps pour que ton ministère entre dans sa dimension prévue, longtemps, lorsque tu tournes en rond, lorsque tu as l'impression de vivre un perpétuel recommencement et que tu n'arrives pas à saisir pleinement les choses que tu t'as données. Lorsque Dieu t'a dit que tu serais un entrepreneur et tes entreprises commencent et s'éteignent et ne prennent pas leur envol véritable, tu peux dire avec moi que tu es confronté à un désert, à une épreuve type numéro 4, type désert des longues attentes. Alléluia. Et pour mettre fin à ces longues attentes, Dieu va te visiter au travers d'une expression biblique qui est appelée le souvenir de Dieu. Pendant que Sarah et Abraham étaient confrontés au désert des longues attentes, la Bible dit en Genèse 21, Dieu s'est souvenu de Sarah et il est venu la visiter et elle a porté l'enfant. Amen. C'est ainsi que c'est abrégé sa longue attente. Pendant que Noé attendait longuement dans l'arche, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé et Noé a été visité. Dieu s'est souvenu. Une expression comme si Dieu oubliait. Non, le souvenir de Dieu, on va le voir à partir vraiment du dimanche prochain, est déclenché, est provoqué. La visitation divine est provoquée et nous sommes en train d'apprendre à la provoquer, à provoquer le souvenir de Dieu. Pour provoquer le souvenir de Dieu ou la visitation divine, tu dois traiter avec les éléments du retard. Dis avec moi le retard. Tu dois traiter avec les éléments du retard. Les éléments du retard, ce sont des éléments additifs qui ne sont pas nécessaires, que tu n'es pas obligé de traverser, mais qui, de ton fait, viennent mettre en retard une promesse que Dieu a déjà faite. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, cela a un certain temps de réalisation. Quand Dieu dit qu'un enfant... Il dit que ton enfant sera, par exemple, directeur. Il n'est pas directeur à sa naissance. Il va se produire un temps où l'enfant va vivre son enfance correctement. Il va mûrir en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, dans ses études, pour que la parole s'accomplisse. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a un temps pour chaque chose, et ça, c'est très important. Mais il arrive que des hommes et des femmes, en tout cas, c'est très rare qu'on ne fasse pas des erreurs de retard, posent des actes dans leur vie, et moi-même j'en ai été victime, et le grand Abraham, même les grands, David, etc., ont traversé le désert des longues attentes. Mais dans leur désert de longue attente, surtout Abraham, il y a deux éléments qui ont causé un retard de son propre fait, et nous sommes en train de finir, par la grâce de Dieu aujourd'hui, ces deux éléments-là. Amen. Alors, ces deux éléments qui ont mis Abraham en retard, nous les avons appelés du nom des parents d'Abraham, parce que c'est comme cette allégorie, Dieu a utilisé ces personnes-là pour expliquer pourquoi Abraham a eu du retard. Alléluia. Voilà, Dieu n'est pas dans le retard. Dieu est dans son temps. Maintenant, son temps, tu peux ne pas l'apprécier. Tu peux trouver que le temps de Dieu est très long. Mais je t'assure que le temps de Dieu n'est pas très long. Il est très bon. Amen. Par contre, le retard va rendre très fatigant ton épreuve. Tu dois donc résoudre les problèmes qui sont causés par les retards de ton prophète. Et le premier défi qui te crée de retard, c'est dans notre image, dans l'image de notre message et dans le modèle d'Abraham, c'est Térak, le père d'Abraham. Le nom qui, de par son sens étymologique, de par son sens originel, signifie retard. Littéralement, retard. Et puis, après que Abraham ait quitté Térak, il a pris plusieurs années de retard, il va occasionner un autre retard, non pas parce qu'il avait manqué la terre promise. Il était dans la terre promise, mais il ne la voyait pas, il n'avait pas la révélation. C'est le cas de certaines personnes à qui Dieu, plus longtemps, qui attendaient leur mariage, Dieu a envoyé leur mari, et elles marchent souvent avec lui, elles le rencontrent dans l'église, elles ne savent pas que c'est la personne, et puis elles tournent en rond, la personne peut être là, elle peut se fiancer avec un tel, se fiancer avec un autre, etc., etc., ou vraiment perdre du temps, tout simplement parce qu'elle ne se rend pas compte que le frère qui est juste à côté d'elle est l'homme que Dieu a destiné pour elle. Donc son désert est de longue attente parce que cette personne-là est aveuglée. Donc l'aveuglement,
L'aveuglement est une des causes du retard. Parce qu'on ne sait pas ce qui est pour nous. On ne sait pas ce que Dieu nous donne. Dieu nous amène des solutions, mais on ne les voit pas. Si tu es dans un désert de longue attente conjugale, où tu attends la paix promise dans ton foyer et que la chose tarde, il est probable, il est possible que ce soit dû à la présence de l'aveuglement. Tu ne vois pas la réponse que Dieu envoie. Un des textes que je lirai, je crois, le dimanche prochain, peut-être à la fin, c'est celui de Agar. Je vais te lire ce texte. La Bible dit que à un moment donné, Agar était dans des situations, donc elle avait soif, elle s'apprêtait à mourir, et la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu un puits juste à côté d'elle. Donc quelquefois, la solution qui va étancher ta soif est juste à côté de toi, mais tu ne la vois pas. Et je vous assure, c'est très, très, très fréquent. Amen. D'avoir la réponse de Dieu proche de nous, près de nous, mais de ne pas la voir. Alléluia. Les disciples ont même marché avec Jésus. Il a fallu la grâce de Dieu qui leur ouvre les yeux pour qu'ils reconnaissent le Seigneur avec lequel ils ont marché pendant près de 3 ans. Que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le retard et le voile ou l'aveuglement, c'est ce qu'on appelait, les deux regroupés, c'est ce que j'appelais la maison de ton père. Et ton père dont il est question ici, c'est Satan. C'est le père de ton passé. C'est celui dont Jésus parle en parlant aux pharisiens, en parlant aux juifs. Il leur dit, vous croyez que Dieu est votre père, mais en réalité, Satan est votre père. Ok? Satan est votre père. Donc pendant un temps, dans la vie de chacun d'entre nous, Satan a été notre père. Mais lorsqu'on a décidé de marcher avec Jésus, Satan et ses démons ont été expulsés de notre vie. C'est ce que Abraham a marqué en quittant Ur en Chaldée, le village, l'endroit où il était idolâtre, où il adorait des démons. Dieu lui avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, « Quitte ton pays ». Ce qu'il a fait, ça veut dire convertis-toi pour nous. Il lui dit en plus, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Et là, Abraham va tarder avant de le faire. C'est ce qui va occasionner le retard dans sa vie. Lorsqu'on dit une maison, ça veut dire que c'est un ensemble de pièces. Alors j'ai imagé la maison dont Dieu parle, ce qu'il appelle quitte la maison de ton père. J'ai imagé cette maison-là en une maison qui a plusieurs pièces, alléluia, dont la chambre de Térakh, la chambre de Lot, Lot qui signifie le voile, qui sont les deux pièces qui paralysent l'ensemble de la maison. Ainsi, on a vu dans le livre de Genèse chapitre 11 que la maison appelée la maison du père d'Abraham, donc qui est la maison de Térakh, avait des caractéristiques assez... Il y avait un peu de bonnes choses là-dedans et puis il y avait certaines mauvaises choses là-dedans. Quand vous regardez ce qu'on appelle la maison, que j'appelle donc la maison de ton père, la chambre de Térakh, la chambre de Lot, il y a la chambre d'Abraham et il y a la chambre de Sarah qui était stérile. Et ça, on le voit dans le livre de Genèse chapitre 11. Et quand vous voyez la maison du père, laissez-moi relire ce passage. Genèse chapitre 11, verset 27. La Bible dit, voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot. Donc Lot, c'est le petit-fils d'Abraham. Okay? C'est la même famille. Et Haran mourut en présence de Térakh, son père. Donc comme tu le constates, dans la maison de Térakh, il y a les morts prématurés. Donc dans la maison de Térakh, un chrétien qui n'a pas quitté la maison de Térakh, il va avoir des entreprises, il va avoir des projets, il va avoir des visions, il va avoir des choses. Et même sa santé, des aspects de son corps peuvent s'éteindre. Ils peuvent tomber dans des handicaps. Ce qu'on appelle la mort de Haran. La mort de Haran. Haran, c'est tout ce qui est dans la maison qui s'éteint très vite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Que la mort des projets, la mort de ton foyer, tout ce qui meurt précocement dans ta vie disparaisse au nom de Jésus. Quand tu vas quitter la maison de ton père, la mort précoce, les choses qui s'arrêtent vont disparaître en même temps. Cette maison-là transporte la mort. Ok? Et la Bible dit aussi en continuant, donc Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nakhor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et je t'ai fait la remarque donc qu'il est considéré aussi que dans la maison de Térakh, il y avait la stérilité et que transportait la femme de la promesse. Tant que tu habites dans la maison de Térakh, ta vie ne sera pas productive, ta vie ne va pas
donner le fruit. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui même, tu quittes cette maison définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'ai dit donc que l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention sur les blocages. Il m'a dit, tu vois, une maison peut abriter des démons. La maison, ce n'est pas les démons, mais il y a la maison et il y a les démons. Ok? Et il a attiré mon attention à partir de ce texte de Matthieu où Jésus dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides, il cherche un endroit où se reposer. Et parce qu'il n'en trouve point, il revient. Et la Bible dit, voici la phrase que le démon prononce, il dit, comme tu le vois, il dit, je retournerai dans ma maison. Et l'esprit attire mon attention. Il dit, mais pourquoi le démon appelle la maison où il habitait, c'est-à-dire quelque chose qui se situe dans le corps de la personne qu'il possédait auparavant, il appelle ma maison. Il dit, tu crois que c'est une déclaration juste pour se vanter ou c'est un fait réel? Et l'Esprit m'a dit, c'est un fait réel. S'il dit ma maison, c'est que cette maison-là, il se l'attribue vraiment. Il dit, alors je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Il la trouve balayée. Écoute-moi, pourtant celui qu'on a délivré, c'est un chrétien. Donc, nommons le Saint-Esprit est dans sa vie. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'habite pas dans la chambre? Parce que ce n'est pas la chambre du Saint-Esprit. C'est comme si en toi, il y a plusieurs positions. Il y a l'endroit où va se mettre le Saint-Esprit et il y a une autre maison. Il y a une autre maison que les démons considèrent comme étant la leur. Il dit, je retournais dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il va chercher encore cet autre esprit plus méchant que lui et il vient. Et la Bible dit, la condition de cette personne devient pire que la première fois. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors quand je parle de quitter la maison de ton père, je parle de cette maison. Je parle de la maison de ton ancien père, de Satan qui est resté dans ta vie. Ce n'est pas des démons, mais c'est une maison. C'est-à-dire c'est un endroit où les démons se sentent à l'aise. Et c'est quoi cette maison? Cette maison, c'est des pensées. Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des raisonnements. J'ai abordé un thème comme cela en parlant des forteresses qui sont bâties. Et ces genres de pensées-là te mettent en retard. Ok? Parce que des démons de maladie, quelqu'un qui est tout le temps malade, vous savez que ça lui cause du retard. À un moment, tu arrives au travail, tu es pris de mal de tête, mal de ventre. À chaque période, tu as des douleurs, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire. Mais tu vois, croire que c'est, tu peux penser que c'est la volonté de Dieu que tu sois totalement malade. Non, c'est un esprit. Mais comment ça se fait que toi qui marches avec Jésus, à chaque moment, cet esprit-là revient pour te handicaper, pour te paralyser? Je prie dernièrement avec une dame et à chaque période de menstrues, le démon vient la fatiguer. Elle, cette dame-là, vraiment, elle ne peut faire aucun mouvement. Et elle est là. Et en même temps, elle n'est pas mariée. Et je ne comprenais pas. Et dernièrement, avec cette révélation que Dieu vient de me donner, je sais maintenant comment prier pour elle. Alléluia. Je sais comment prier pour elle. Parce que ce n'est pas possible. Tu pries, le démon s'en va. On prie, le démon part. Mais le démon, le moi qui suis, il revient et la situation de la dame est pire que la précédente fois. Il faut que ça s'arrête. Sa vie n'avance pas. Pourquoi? Alléluia. Je crois que son retard, je le déclare dans le nom de Jésus. C'est une de mes filles, à l'instant où je parle. Elle sait que si elle m'entend, elle va se connaître. Si elle entend, elle va savoir que c'est elle. Jésus te délivre. Dans ce message, Jésus te délivre de la maison où habitait Satan. Et ces démons, ils partent au nom de Jésus. C'est pourquoi, pour ne plus que ces démons-là reviennent, il ne faut plus qu'ils aient aucune propriété dans ta vie. Donc tu dois détruire leur propriété pour ne pas qu'ils disent ma maison. Sa maison dorénavant sera dans les déserts, dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette maison-là que nous sommes en train de casser. Et dimanche dernier, on a appris à casser la maison de la chambre de Térac. Donc on a la maison du Père. À l'intérieur, on a la chambre de Térac. On a brisé la chambre de Térac avec différents points. Et quand tu brises la chambre de Térac, qui est la chambre de l'irresponsabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui accuse, qui tient toujours les autres responsables, il y a des démons comme ça qui ne reviendront plus dans ta vie. Le démon de la paresse, voilà, on est en train de casser la maison. Cassez bien. Alléluia. Et ça, c'est la chambre de Térac. Donc, pendant que tu casses la chambre de Térac,
les esprits qui ne vont plus revenir, ce sont des esprits de lourdeur, des esprits de paresse, des esprits de procrastination, des démons de pauvreté, des démons d'inachèvement. C'est eux qui habitent là-bas. Des démons de stérilité, les démons de célibat, les démons de mort précoce et les esprits de handicap. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la personne qui me suit, Père, tu nous connais et tu sais là où sont tapis ces maisons, ces démons, pardon. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce que tous ces démons-là partent de la vie de ta fille, de la vie de ton fils, au nom de Jésus. Que cette lourdeur, cette incapacité à pouvoir travailler, cette lourdeur, pendant qu'Abraham marchait avec Terra, qu'il était lourd, on dit va à Cana, il s'arrête à Charan. Je chasse l'esprit de lourdeur qui est dans ta vie. Je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le démon de pauvreté, de procrastination, le démon d'inachèvement. Tu commences des projets, tu n'atteins pas. Ce démon-là, lorsque cette maison était dans la vie d'Abraham, Abraham quitte Ur en Chaldée. Il dit, je m'en vais à Canaan. Mais il n'achève pas sa mission, il n'achève pas son voyage. Il vient habiter à Charan. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit d'inachèvement est brisé et chassé de ta vie au nom de Jésus. Dans la maison de Terak, il y avait les démons de stérilité. C'est-à-dire, certaines femmes qui n'arrivent pas à enfanter, certains couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui n'arrivent pas à être productifs sur le plan intellectuel, à produire, à avoir les idées qui vont révolutionner leur vie. Je déclare dans le nom de Jésus, démons de stérilité, bah, pour toujours, maintenant dans le nom de Jésus, les esprits de célibat et les problèmes conjugaux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis votre influence maintenant au nom de Jésus. Mais ce que nous brisons, c'est la chambre même de mentalité de responsabilité, la mentalité de trop vouloir contrôler toute chose. Hein? J'ai parlé de cela, de trop vouloir contrôler toute chose. Ceux qui contrôlent tout, qui veulent tout contrôler, se cachent derrière cela des esprits de colère. L'esprit de colère est un esprit qui détruit le foyer. C'est un esprit qui fait fuir la maison, qui fait fuir les maris de leur maison. La Bible dit quoi? La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Donc lorsqu'une femme qui contrôle tout, qui gère tout, elle a une tendance, elle ne se rend pas compte. C'est un démon qui est dans sa vie en train de faire fuir son conjoint. Ou ton mari préfère être dehors que de rentrer dans la maison parce que tu es tellement partout sur son téléphone, tu es tellement partout que tu ne sais pas que c'est un démon de colère, d'irritation qui fatigue ta vie. Et tu tolères ce genre de comportement. Brise la maison de Terak. Brise la chambre de Terak. Elle doit être brisée pour que la colère parte, pour que ta maison soit paisible en fait. Tu es sur tous les dossiers, tu contrôles tout, tu regardes tout. Le monsieur n'a même pas un peu de liberté. Ce n'est pas correct. Et il y a des hommes aussi qui sont comme ça vis-à-vis de leurs femmes et de leurs enfants. Au nom de Jésus, les démons d'impatience et de mésattente sont brisés de la chambre de Terak. Allons-y maintenant briser la chambre de Lot. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour briser la chambre de Lot? Amen. Alors souviens-toi donc aussi des choses que j'ai dites sur Lot. Lot, c'est une manière de voir. Terak, ça représente dans ta mentalité une manière de faire. C'est ta vieille manière de faire. Ce n'est pas une manière que tu as acquise étant chrétien. C'est une manière que tu as acquise étant païen, mais qui n'est pas forcément mauvaise. Il y a des mauvaises choses, peut-être que tu les as laissées avec ta conversion, et il y a d'autres choses qui sont venues avec toi. Pour un chrétien qui veut aller à des niveaux supérieurs, amen, Terak n'est pas forcément le monde païen, mais Terak est l'ancienne manière de faire, c'est-à-dire la dimension dans laquelle tu évoluais dans ta vie, dans ta dimension précédente. Ok? Amen. Pour que l'église puisse croître, il y a une différence, j'ai eu une différence d'organisation entre l'église sous sa première forme. Quand on a commencé Vase d'honneur, le Vase d'honneur de 2002 jusqu'aux environs de 2006-2007 est différent du Vase d'honneur qui a commencé en 2008. On a remis en place une autre organisation. Quelqu'un qui veut être très traditionnaliste, qui n'est pas prêt à se déplacer dans le mouvement du Saint-Esprit. La tradition est importante pour qu'on sache d'où on vient, mais ce n'est pas là aussi où on va. Lorsque tu es arc-bouté, tu es tenace, tu es traditionnel, tu es trop conservateur, c'est une forme de Terak, c'est une forme de père que tu ne veux pas quitter pour aller dans la nouvelle dimension que vers laquelle le Seigneur t'envoie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple qu'on peut changer de logo genou. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est en train de reformater notre mentalité pour être une église qui vise le monde, partager l'amour de Christ pour changer le monde. Donc on voit ça chaque fois que quelqu'un vient à l'église, on veut changer le monde, on veut changer le monde. Alléluia. Avant, la vision qu'on avait, on était forgé par l'idée nous-mêmes d'être matures, d'être des chrétiens de vase d'honneur. Donc on travaillait
sur nous-mêmes. Et maintenant, on continue de travailler sur nous-mêmes. Mais maintenant, l'Église va commencer à voir le monde. D'où cet ensemble, on voit les points. Il faut qu'ils commencent à penser à Amérique, qu'ils commencent à penser à Afrique, Madagascar. Il faut qu'on pense comme ça. Amen. Et tout ça, c'est un reformatage. Donc, Interact peut exister dans la vie même d'un chrétien. Alléluia. Il faut savoir aller de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, même quand Terak va partir, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas en retard. Tu peux être en retard, non pas parce que tu es arrivé, mais comme je dis, parce que tu ne vois pas bien. J'ai parlé dernièrement avec certains hommes de Dieu et je ne comprenais pas pourquoi leur ministère, ils ont parlé, ils me voient, papa, pasteur, je ne comprends pas. Ma vie, mon ministère tourne, je commence l'église, elle se ferme, j'avance là, ça ne va pas. Et j'en ai encore vu d'autres. Dieu leur fait de grandes promesses. Écoutez. Écoute, chacun d'entre nous transporte des promesses importantes. Chacun d'entre nous. La Bible dit, voici les projets que j'ai établis pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur. Il n'y a aucune personne sur laquelle Dieu a planifié des projets de destruction. Non. Dieu s'assoit et puis dit, toi dans la vie tu vas tout perdre, tout le monde va mourir, tu vas tout perdre. Non. Il dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix. Il dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est très important. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, cet avenir, cette espérance, ces projets, même si vous n'en êtes pas conscient, même si tu n'en es pas conscient, tu peux avoir l'impression que tu ne vas pas quelque part. Donc, ce qui fait que ton présent n'est pas vraiment épanoui. Ton présent n'est pas heureux. Parce que peut-être tu as quitté les mauvaises habitudes, tout ça, mais Lot est présent. Alors, quand vous avez Lot, dans l'histoire donc de ses frères, tu sens beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises décisions. Des mauvais choix dans le mariage. Certains ont fait des mariages stratégiques. Ils ont choisi dans l'église des femmes qui avaient une forme télégénique. On leur a dit, mon frère, il y a les femmes de ministère. Donc lui, pour la femme de ministère, vous savez ce que j'ai dit, c'est juste sérieux. Je connais beaucoup de pasteurs comme ça. Ils ont fait des choix de ministère. Ils avaient des premières fiancées. Il y en a d'autres même qui se sont mariés, mais qui ont fait tout pour faire partie leur femme ou qui ont commencé à vivre dans l'adultère, étant mariés, sous prétexte qu'il y a la femme du ministère. Sois délivré, mon frère. Tu as un appel de Dieu dans ta vie. Quelle est cette histoire? C'est ce qu'Abraham a failli faire. Heureusement que Dieu l'a saisi. S'il te plaît, relève-toi. Et certaines de ces personnes, donc, ils font des choix intellectuel, intelligent, beau, épanoui. Il y en a d'autres comme ça qui sont élevés, qui ont fait des mariages de nationalité. Ils sont pasteurs. Je connais des hommes de Dieu comme ça. Je connais des hommes de Dieu qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui sont allés jusqu'aux États-Unis. Ils ont laissé leur femme et arrivé là-bas cherchant la nationalité. Ils ont fait des mariages. Ils ont fait des mariages, peut-être que non, on ne va pas dormir ensemble, mais des mariages arrangés. Mais leur vie est en train de tourner en rond. Mauvais choix, mauvaise décision, mauvaise entreprise, mauvais collaborateur, mauvais projet de financement, mauvaise manière de faire. Et ta vie est en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Le vrai fiancé est là, ton désert est en train de tarder. Tu es dans un désert de longue entente parce que tes choix sont mauvais. Pourquoi tes choix sont mauvais? Parce qu'ils sont inspirés par une manière de voir le monde. Par une manière d'apprécier les différentes choses qui sont les lots et c'est ce qu'on va briser. Il faut que ça parte. Parce que ce que les hommes du monde trouvent beau, c'est ce que tu trouves beau. Ça s'appelle l'image selon le monde. Lot, la femme de Lot, était des personnes qui aimaient les belles choses du monde. Ils voyaient le monde. Si tu vois les choses, comme on dit, la première manière de voir, c'est tu apprécies les choses selon l'esprit du monde. Ça va te causer des retards. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, si tu es attiré par les apparences, note bien ça, si tu es attiré par satisfaire, tu n'arrives pas à contrôler les yeux de ta chair, l'autre est en place. Si tu as des problèmes, tu as des problèmes avec l'orgueil, le désir de paraître, l'autre est en place et l'autre va corrompre tes choix, tes décisions, ta manière de voir et ça va te causer un retard. Un autre aspect de l'autre, c'est les images selon les traumatismes, c'est-à-dire les choses qui t'ont blessé dans le passé, déterminent les choix que tu fais dans le futur.
Dieu t'a béni, a prévu de te bénir dans les affaires, mais tellement tu as été traumatisé par des échecs dans les affaires, dès qu'on parle d'affaires, tu te retractes et tu n'arrives pas à voir que la vraie affaire va maintenant démarrer et Dieu va te bénir. Pourquoi? Parce que tu es traumatisé par des échecs précédents. Donc ton désert est de longue attente tant que tu ne comprends pas que c'est dans les affaires que Dieu va te bénir. Mais l'expérience passée, c'est le cas par exemple donc de Moïse. Il était tellement traumatisé lorsqu'il a tenté la première fois de délivrer Israël qu'il n'a plus voulu entendre parler des Israéliens en Égypte. Il a fallu que Dieu détruise son traumatisme pour qu'il puisse maintenant aller accomplir sa destinée. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'a blessé dans le passé, t'a traumatisé et aujourd'hui affecte ta visibilité du futur soit ôté dans le nom de Jésus. Et puis à l'image donc selon les passions, et puis à l'image selon ce que tu te fais des moyens d'y arriver. C'est-à-dire ce que tu vois là, comment y arriver. Si tu planifies selon la sagesse du monde, tu peux avoir du retard. C'est sur ce point que je t'avais cité, comment dans le ministère j'ai pris du retard parce que j'ai voulu utiliser des méthodes humaines pour parvenir à réaliser la vision de Dieu. Donc la chambre de Lot qui fait partie donc de la maison de ton père a ces points-là qui vont te polluer la vie et te mettre en retard. Comment briser la maison, la chambre de Lot? Donc pour briser, pour que tu en finisses avec la chambre de Lot, pour briser une chambre, il faut briser les murs de la chambre. Il faut les briser et tu vas briser ainsi toute cette maison-là de ton père. Dans le nom de Jésus-Christ, sois délivré des esprits de retard et des esprits de confusion. Donc, quand tu vas casser la maison de Lot, quand tu vas la casser, pour ceux qui ont des problèmes avec le rejet, vous n'allez plus sentir rejeté. Ceux qui ont des problèmes identitaires, les démons de rejet font partie de ta vie, de crise identitaire font partie de ta vie, etc. Les esprits qui habitent dans cette chambre-là aussi font tourner en rond parce qu'ils te font faire plusieurs choix qui ne sont pas les bons. Et même tu peux choisir le bon et puis tu le laisses. C'est ce qu'Abraham a fait. Il arrive à la terre promise, il bâtit même Bethel, mais il laisse et puis il s'en va en Égypte. Tant que Lot est dans ta vie, tu vas laisser l'endroit où Dieu t'a visité pour aller ailleurs. J'ai vu des chrétiens qui sont arrivés dans des églises, qui sont leur église destinée, qui ont commencé à marcher avec leur père spirituel, les gens que Dieu a mis sur leur chemin. Même parce que Lot est présent dans leur vie, ils s'en sont éloignés. Ils s'en sont éloignés. Qu'aujourd'hui, Dieu te délivre. Et après tard, ils se sont rendus compte, il y a certains qui sont revenus, qui disent, ah papa, j'ai fait une erreur, voilà, c'est ici vraiment l'église, je dois revenir à l'église. Mais entre-temps, tu as perdu 5 ans à aller chanter, à aller faire des programmes là où Dieu ne t'avait pas envoyé parce que Lot était dans ta vie. Lot était dans ta vie. Combien de personnes sont en train de tourner d'église? Dieu te dit, va dans cette maison-là. Mais pour une vision logique, Dieu t'a montré ton père spirituel. Il a montré ton père de destinée. Mais à cause de Lot, tu n'arrives pas à aller là-bas pour ces différentes considérations. Et je t'en supplie, si les mentalités dont je parle ne sont pas traitées avec ce dont je vais te parler tantôt, tu risques de rester dans cet environnement de perpétuel recommencement, de changement d'église, de contact avec aucun père spirituel, avec aucun... En fait, tu ne vas pas avancer. Tu vas ne faire que tourner en rond, vivre d'expérience, et puis tourner en rond. Il faut que tu sois délivré de cette affaire-là, au nom de Jésus. Tu perds du temps, ta destinée est grande. Les promesses sur ta vie sont sérieuses. Amen. Ok. Alors, qu'est-ce qui amène les personnes à convoiter? À aimer les belles choses ou à ne pas, malgré qu'il soit chrétien, à être soumis au désir de la chair. Qu'est-ce qui cause cela? Et ils ont des problèmes pour s'en défaire. Qu'est-ce qui amène des personnes à lutter chroniquement contre l'orgueil? Et je dois dire que moi-même je reconnais que je dois constamment, même tout le monde même doit constamment lutter contre le troisième élément. Ok, alors donc la chambre de Lot, je la subdivise en trois aspects, ou bien les murs de Lot, je la divise en trois aspects. Le premièrement, les murs sont constitués de ce que j'appelle un déficit identitaire. Un déficit identitaire. Dis avec moi, déficit identitaire. C'est quoi le déficit identitaire? Alors, lorsque Dieu a donné un temps, et on va le voir à partir du point 3, Dieu a donné un temps à chaque chose. Il a donné un temps à chaque chose. Et à chacune des étapes de la chose, il y a des choses à faire. Il y a des éléments à porter.
quand une plante, par exemple, doit être semée, plantée, il y a des types d'engrais qui vont permettre de s'enraciner et puis de monter, etc. Lorsque nous sommes enfants, il y a des besoins qui doivent être comblés. Lorsque ces besoins-là ne sont pas comblés par nos pères, cela engendre des conséquences. Donc, ces besoins ne seront pas comblés parce que certains n'ont pas eu de papa, ils n'ont pas eu de maman. D'autres ont eu des parents qui n'ont pas su jouer leur rôle. C'est pourquoi on appelle cela la maison des pères. C'est-à-dire, papa n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire dans ton passé. Parce qu'il ne l'a pas fait, ça a créé des conséquences dans ta vie, dont celui-là, qu'on appelle le déficit identitaire. Mais deux éléments de la chambre de Lot viennent de ce déficit-là, que j'appelle le réservoir d'affection. Amen. Tout le monde a dans son cœur un réservoir affectif. Donc, lorsqu'un enfant est enfant, il a besoin d'exister. Vous savez, l'existence, c'est le fait qu'on lui dise « tu es quelqu'un », il se sent exister. Il sent qu'il compte pour quelqu'un. Il sent qu'il compte pour papa. Il sent qu'il a de la valeur pour maman. Alors, si là où l'enfant a besoin de compter pour ses parents, il compte pour du beurre, il compte pour rien. Et cela peut arriver, par exemple, parce qu'il y a eu deux naissances enchaînées. Et donc la maman va s'occuper du plus petit au détriment de la petite qui est encore dans son âge de besoins affectifs élevés. Vous savez, ça va commencer donc en l'âge de 0-1 jusqu'à pratiquement 9 ans. Jusqu'à cette période-là, le réservoir affectif de l'enfant a besoin de l'amour des parents. Même on va aller même jusqu'à 12 ans. Donc, si à partir dans les 3 premières années, tu entre 1 an et 3 ans, tu as 2 enfants, il faut faire très attention. Tu peux ne pas abreuver suffisamment le plus grand. Ok? Quand tu vas te concentrer sur le premier, l'enfant qui a besoin qu'on le prenne, et puis tu t'en vas prendre le dernier qui vient d'arriver, lui, tu ne le prends plus dans les bras. Il va commencer à manquer. Il va avoir l'impression de ne pas exister par rapport à son jeune frère. Et dès cet instant, il va développer certains complexes. Et c'est ce qu'on appelle la maison du père. Et ça va l'accompagner dans son futur. Et plus tard, donc une fois qu'il n'a pas eu ça pendant la période de son enfance, donc on va dire quand il était dans la maison de son père, il va commencer à avoir une attente démesurée, extraordinaire des choses de l'extérieur et ça va le corrompre. Cet élément-là, ma soeur, mon frère, c'est le réservoir, c'est la chambre où viennent s'installer les démons du rejet. Où vient s'installer le démon de la confusion? Où vient s'installer le démon qui va te faire que tu vas te tromper de mari? Comment tu vas te tromper de mari? Tu arrives, tu regardes monsieur parce qu'il est âgé, il ressemble à papa. Ce que tu cherches, ce n'est pas un mari. Tu es en train de chercher un papa. Il y a des hommes qui cherchent des mamans. Alors, ils cherchent des femmes mamans. Mais la femme là que tu vois, ce n'est peut-être pas la femme de ta destinée. Donc, tu te trompes de vision parce que tu n'as pas su traiter avec quelque chose qui vient de ton passé. Mais dans le nom de Jésus, cette chambre-là est brisée au nom de Jésus. Détruis la chambre de l'autre. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Donc, ce déficit-là va entraîner dans la vie de certaines personnes, dans un premier temps, ce que j'appelle la convoitise des yeux. Je t'avais dit tout à l'heure que la convoitise des yeux, c'est la séduction des apparences. La séduction, tu aimes les belles choses. Mais tout à l'heure, je vais te citer un point, comment on le vainc et on va prier pour finir totalement avec la chambre de Lot. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ok? Alors, l'enfant va donc avoir donc l'impression que c'est tout ce qui est beau, parce que maman est là, oh le bébé là, il est beau, etc., etc. C'est tout ce qui est beau. En fait, il va avoir l'impression que le beau lui donne de l'existence. C'est-à-dire, la convoitise des yeux, c'est le fait que je vais être vu. Je vais apparaître parce que je suis invisible. Je suis donc invisible. Ça va détourner certaines personnes qui vont commencer à convoiter lorsqu'ils vont voir que la star qui passe sur Facebook, YouTube, on la voit, tout le monde la voit, elle s'habille bien. Donc les personnes vont commencer à voir que même quand Dieu va leur parler, par exemple, lève-toi, va commencer un ministère dans un petit village. Ils ne vont pas voir le beau. Ils ne vont pas voir ce que Dieu va faire d'extraordinaire là-bas. Mais ils vont dire, non, ce n'est pas possible. Il faut que je sois à New York. Il faut que je sois aux États-Unis. Là où les choses sont belles d'apparence.
il va chercher les apparences parce que les belles choses vont lui donner d'exister. Vous voyez, il y a des personnes qui vont se jeter dans la mer parce que c'est quand ils vont arriver dans un beau pays qu'on appelle Paris, dans une belle ville qu'on appelle Paris, qu'ils vont exister. Parce que aussi dans le village, c'est comme ça. C'est quand quelqu'un arrive de Paris que tout le monde le respecte. Quand on en dit, hey, notre frère vient de Paris, vient de Paris. J'ai vu une blague toute récemment là, avec l'affaire de Corona, là, de Vide Zéro. Et les gens font... Donc, quand la France était dangereusement frappée, alors donc il y a une fille qui d'habitude rentre, elle arrive avec son petit sac, elle vient voir ses parents, elle frappe à la porte. D'abord qu'elle chantait, elle disait au téléphone, je viens de Paris, ah vraiment c'était bien là-bas. Il y a une dame qui a entendu, ça dit quoi, Paris, Corona, elle a fui, rentrée dans la maison. Quand elle arrive, elle frappe la porte de ses parents. On dit, d'où tu viens? Pour la première fois, les gens ne lui ont pas ouvert la porte à bras ouverts parce qu'elle était potentiellement transporteuse d'une maladie. Ok. Gloire à Dieu, mais cela va finir bientôt. Au nom de Jésus, on aura la joie d'aller dans tous les pays et de recevoir les personnes de tous les pays. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, donc ça peut te corrompre. Dieu est dans le beau, mais quand ton beau permet la beauté permet de te donner de la valeur, de l'existence, quand les choses ne sont pas belles, tu as une dépréciation, fais attention, cela a été causé par un autre, cela doit être corrigé dans le nom de Jésus. Cela va entraîner de la désorientation, de la mauvaise orientation, cela va entraîner des démons, des esprits de confusion dans ta vie. Tu vas avoir des esprits de tourner en rond dans ta vie parce que tu vas te tromper. Imagine-toi que Samuel, lorsqu'il arrivait pour chercher David, nommait Eliab parce qu'il était beau, parce qu'il avait une bonne apparence. Il n'aurait pas vu celui que Dieu avait choisi. Celui que Dieu avait choisi. Combien de personnes ont raté leur territoire de faveur, là où Dieu allait les bénir, parce que leur territoire n'était pas beau. C'est ce que Lot a fait. Il est parti habiter vers Sodome et Gomorre parce que la zone de Sodome était belle et luxuriante et il a laissé la terre promise. Oh, que tes yeux s'ouvrent, ne cède pas à la convoitise des yeux. Alléluia. Donc, le tourner en rond, etc. Un autre aspect de la convoitise, de la chair, qui est la mentalité qui est bâtie avec ça. Donc, c'est quoi les gens qui sont en retard à cause des désirs de la chair, la convoitise de la chair. Voyez, en fait, la convoitise de la chair, comme je te l'ai défini, c'est le fait de chercher à satisfaire constamment les besoins charnels. Les besoins charnels. Ça va donner des gens de frères qui aiment une sœur parce qu'il la trouve qu'elle est dans les formes qui lui plaît, parce qu'au bien quand il parle avec elle, sa manière de parler plaît à ses oreilles. Et puis à un moment donné, dès que leur relation commence à devenir désagréable, il la laisse, il va chez une autre. Après, il va chez une autre. Donc tous les frères et les sœurs qui sont dans les fiançailles multiples ont un problème avec Lot. Ils sont dans la chambre de Lot. Et tant que tu vas demeurer dans cette chambre, frère, tu n'iras pas de l'avant. Ta vie va tourner en rond. Tu seras dans la confusion. Et si aujourd'hui tu ne brises pas cette chambre, il va être difficile d'entrer dans la réalisation des promesses que Dieu a pour toi. Que la chambre de Lot soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Le désir de satisfaire la chair. Cela vient parce que certaines personnes n'ont pas appris à discipliner leur chair. Lorsqu'on est chez les parents doivent nous éduquer. Ils doivent nous apprendre les zones interdites, les zones de toute possibilité. Ils ne doivent pas nous frapper excessivement, mais ils doivent nous apprendre. Lorsqu'un enfant, pendant que certains ont le vide affectif, l'enfant, ses parents lui passent tous ses caprices. Et l'autre va se poser dans sa vie. Il a l'impression que ce que tu aimes, tu dois l'avoir. Rien ne doit te dire non. La société ne doit pas te dire non. Le monde ne doit pas te dire non. Les pasteurs ne doivent pas te dire non. C'est le genre de chrétien. Dieu leur montre leur territoire de destinée. Ils arrivent, ils marchent. Mais dès qu'ils sont contrariés dans un département, ils sont contrariés dans un groupe, ils changent de groupe. Pourquoi? Pourquoi toi, on ne peut pas mal te parler? Bon, je n'ai pas dit de mal lui parler. Faites attention, les frères, ok? Ne parlez pas mal aux gens. Mais pourquoi toi, tu n'es jamais vexé? Pourquoi? C'est-à-dire, dès que tu es contrarié, en même temps, tu t'en vas. C'est pour quelqu'un qui n'a pas appris à être contrarié. Dans la vie, tu dois apprendre la contrariété et puis apprendre à te relever et puis suivre. Tes parents doivent pouvoir te dire non, on ne te donne pas quelque chose. La vie doit pouvoir te dire non. Les choses ne vont pas fonctionner comme tu le souhaites. Alors les personnes qui veulent que... Ils ont une image étrange de l'église. C'est-à-dire qu'ils se disent que... Je vois souvent des gens qui écrivent « Dans l'église, il n'y a pas l'amour. » Vous voyez, la plupart des gens qui disent « Dans l'église, il n'y a pas l'amour. » Ce n'est pas la vérité. Hein. C'est l'autre qui leur donne de parler comme ça. Parce qu'en fait, eux, l'amour, là, il faut qu'on les salue tout le temps, que tout le monde soit à leur petit soin. C'est ce qu'ils appellent l'amour. Ce n'est pas ce qu'ils donnent, c'est ce qu'ils reçoivent. Donc, dès l'instant où on ne les a pas salués, eux, ils ne s'inquiètent pas de, est-ce qu'ils ont salué tout le monde. Eux, ils apprécient qu'ils ont salué quatre personnes pour eux, ils ont salué toute la terre. Ils ont fait le travail de l'église. Quel, tu as salué quatre personnes, tu as fait tout le travail. Donc,
Donc, dès l'instant où ils n'ont pas ceci, ce sont des gens de chrétiens qui n'avancent pas. Parce qu'ils seront frustrés dans l'église A, ils vont aller dans l'église B, ils seront frustrés dans l'église B, ils vont aller dans l'église C, dans l'église D, etc., etc. Quand ils vont parcourir toutes les lettres de l'alphabet jusqu'à Z, ils vont revenir encore. Est-ce qu'ils ont dit non, les lettres sont finies. On repart à A. Jusqu'à après, vous voyez des gens, elle est vieille dans l'église. Quand tu lui demandes, elle a parcouru toutes les grandes dénominations de Côte d'Ivoire. Sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu l'a appelé. L'autre va te tuer. Mais la personne est très zélée, la personne est très pieuse, elle a une vie de prière, elle est toujours à la recherche. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Dans tous les ABCD là, un jour tu es passé dans l'église que Dieu te donnait. Brisez la maison de Lot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La chambre de Lot est brisée au nom de Jésus. Alléluia. Et le dernier aspect de la chambre de Lot, le désir de reconnaissance. Ça c'est ce qui va engendrer l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Ça vient du désir de reconnaissance. C'est beaucoup lié au premier point. À la convoitise des yeux. Quand on est enfant, on a besoin d'être reconnu. On a besoin de reconnaissance. Reconnaissance, ça va nous dire merci. Reconnaissance, c'est on sait que tu es là aussi. Et ce vide affectif qui n'est pas comblé va amener certains à le rechercher outre mesure. Ils vont avoir l'impression que cette fois-ci, eux, pour être satisfaits, il faut occuper des postes. Il faut qu'on te voie. Alors ça va amener tout ce que vous pouvez voir. Des personnes, ils sont appelés, mais l'autre dans leur vie, c'est leur désir d'avoir des gros titres. Quand je vois des gens qui ont des dons spirituels, des fraises, qui ont des dons, et tu comprends leur titre, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là, se faire appeler. Mais est-ce que pour opérer là, tu as besoin de te faire appeler général, prophète, archi. Est-ce que tu as besoin de tout ça? Attends, pourquoi, si on ne t'appelle pas, pourquoi ce titre-là? Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu cherches? C'est pour dire simplement que tu es le chef des autres. Et on ne te choisit pas, mais tu. Non, je suis. C'est nous, on a créé. Je suis le père de tout le monde. Pourquoi ces choses-là? La Bible dit qu'un autre te loue. Qu'un autre te loue. Faites attention à l'orgueil de la vie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ministères de vie, des personnes qui sont dans des entreprises, ils ne savent pas aller là où Dieu veut qu'ils aillent. Parce que promotion, ils veulent paraître, ils veulent être. Tu es en Christ, tu es en Christ. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Sois délivré de la chambre de Lot parce qu'elle va te faire tourner en rond. Tu vas arriver là où tu es, mais tu ne vas pas rester. Tu vas arriver là où Dieu t'a choisi, mais tu vas partir. Pourquoi? À cause de Lot. Lot, Dieu doit le faire partir. Comment Lot est parti de la vie d'Abraham? Il y a eu des querelles. Donc quand Dieu va traiter avec Lot, la convoitise, les passions de ton cœur, la Bible dit d'où viennent les querelles, d'où viennent les luttes parmi vous? Elles viennent des passions et des convoitises qui sont dans vos membres. Donc les querelles vont survenir. Tu vas avoir des frustrations dans l'église à un moment donné. Oh, tu avais entendu une voix qui t'avait dit, voilà l'église où je vais te parler. Voici le pasteur qui est ton berger. Tu l'avais entendu. Mais Dieu a fait survenir les querelles. Quand les querelles arrivent, c'est que le temps de Lot est venu de partir. Et tu dois le faire partir. Tu dois te souvenir que Dieu t'a dit une chose. Il t'a fait une promesse. Alléluia. Et laisse-moi te parler de la promesse parce qu'elle est très importante pour que tu sois délivré totalement de l'autre. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de chrétiens, on finit avec la maison de l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donne un bon amen. Amen. Alors, une autre chose qui font que des gens ne triomphent pas de l'autre, c'est parce que... Ils croient, eux aussi, ils ont fini par croire que comme Lot aime les belles choses, eux, ils vont aimer les choses vilaines. Ça, c'était mon cas aussi avant. C'est-à-dire qu'ils croient que... Donc, tout ce qui est excellent, pour eux, c'est pas de Dieu. Détrompez-vous. La Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, la Bible dit ceci, que tout ce que, je crois, 2:9, je crois, la Bible dit que tout ce que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden était agréable à voir et bon à manger. L'esprit de Lot, c'est de se focaliser sur l'agréable à voir au détriment du bon à manger. Il ne cherche pas la qualité des choses, ce qu'il cherche, c'est la beauté des choses. Il veut des gens qui sont apparents, ce sont des gens qui vont travailler leur discours, mais ne pas travailler leur cœur. Ce sont des gens qui vont travailler l'éloquence de leur prédication, mais pas travailler la vie intérieure pour vivre. Donc les Lot vont chercher à travailler leur apparence, au lieu de chercher à travailler leur fond, pour que le fond dépeigne sur l'apparence. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand vous êtes animé de l'esprit de Lot, l'apparence est plus importante pour vous que le fond des choses. La beauté des choses, peu importe s'il y a le diable là-bas, si c'est beau, ça va. Si c'est excellent, ça va. Si le film est très beau à voir, même s'il y a toutes sortes de perversions, on y va. Ok?
Dieu aussi est dans le beau, mais Dieu est dans l'agréable à voir et le bon à manger. Alors, ne crois pas que tout ce qui est agréable à voir, tout ce qui est excellent, est du domaine de l'autre. Généralement, même quand tu aspires vers les choses excellentes, ça peut être même un plan de Dieu pour toi, mais accompagné avec le bon à manger. Le bon à manger, c'est quoi? C'est la qualité intrinsèque. Amen. Il ne faut pas faire semblant d'être pieux, il ne faut pas apparaître pieux, il ne faut pas avoir l'apparence de la piété, il faut être pieux. Il ne faut pas avoir l'apparence d'un homme de prière, soit un homme de prière. Il ne faut pas avoir l'apparence de chrétien zélé, il faut être zélé. Il ne faut pas avoir l'apparence d'un jeûneur, il faut jeûner. Il ne faut pas avoir l'apparence d'un veilleur, il faut veiller. Il ne faut pas avoir l'apparence des gens intègres, il faut être intègre. Si tu es intègre, ça veut dire que tu es bon à manger, l'intégrité va transparaître sur ta vie. Mais si tu fais l'effort de paraître intègre pendant que tu ne l'es pas, d'apparaître comme un prieur dans ton groupe pendant que tu ne peux même pas prier 10 minutes chez toi à la maison, tu es habité de l'esprit lotique, tu es encore dans la chambre de Lot. Tu dois sortir de là. Au nom de Jésus, dis avec ma chambre de Lot, je te détruis dans le nom de Jésus et je suis délivré de ton influence au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Les chants vont venir, on va prier le Seigneur. Alléluia. Et le tout dernier élément pour en finir avec la maison de Lot, c'est le Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai parlé, vous savez, tous les éléments de Lot que j'ai cités viennent du vide, de quelque chose que tu aurais dû avoir, que tu n'as pas eu, d'une chose qu'on aurait dû te donner, qu'on ne t'a pas donné à un moment donné. Et laisse-moi te dire, la plupart des hommes sont déséquilibrés par cela. C'est pourquoi on peut s'en dire, quitte la maison de ton père. Parce qu'on sait que pratiquement tous les pères n'ont pas pu avoir, la plupart des pères de nos parents n'ont pas su avoir l'équilibre. Soit ils étaient dans la société, dans le fétiche, ils ne se sont pas convertis. Où il y a toutes sortes de choses. Donc, ne te plains pas de ton père. Si tu commences, que tu restes à te plaindre de ton père, tu es dans la mentalité de Térak. Mais si tu sais avancer, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Dans l'évangile selon Jean, au verset 4, Jean chapitre 14, pardon, au verset 15, il est dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Verset 18, je ne te laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ce passage est tellement beau. Quand l'Esprit m'a conduit vers ça, il va tellement avec le message. Je ne veux pas te laisser orphelin, ça veut dire, j'ai détruit la maison de ton ancien père, mais je ne vais pas te laisser sans papa. Ce que tes parents n'ont pas fait, je vais le faire. Est-ce que tu comprends? Ce que les pères n'ont pas pu te donner, je vais te donner. L'affection qu'ils auraient te donner, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais regarde ce qu'il dit. Oh, alléluia, merci. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. La première fois où Jésus nous annonce le Saint-Esprit pour nous, il ne le présente pas en tant qu'onction de puissance. Il ne le présente pas en tant que celui qui va chasser les démons. Il présente le Saint-Esprit comme étant quelqu'un qui console, quelqu'un qui sèche les larmes, quelqu'un qui vient combler les vides que les parents, que le passé n'a pas pu combler, qui nous amène à devenir des personnes qui convoitent, des personnes instables, indécises, que le Saint-Esprit vient te remplir. C'est pourquoi je rappelle le programme d'effusion. Tu n'as pas le manqué. Le Saint-Esprit te remplisse. Alléluia. On finit la maison de Lot avec le Saint-Esprit qui vient nous consoler et le fait que Dieu, par le Saint-Esprit, ne nous laisse pas orphelins. Il fait de nous le Père. Tu as brisé la maison de ton ancien père. Voilà le nouveau père, l'éducateur, le consolateur. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Avec moi, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Installe-toi dans ma vie. Tu me connais. Tu me sondes. Tu sais les choses qui m'ont détourné de toi et de ta voix. Je t'en supplie. Remplis-moi. Console mon âme. Console mon cœur. Restaure-moi. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je détruis la chambre de Lot dans ses fondements, dans ses racines. Je la brise, je renverse
la maison de mon ancien père. Je l'écrase au nom de Jésus. Et j'entre et j'habite dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur, dans la maison de mon père, au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon. Amen. Acclame très, très, très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et cela va nous donner donc la grâce, bien sûr, de nous préparer pour le dimanche prochain. Maintenant, on va rentrer dans les deux dernières clés pour arrêter le retard. Alléluia. Térak et Lot nous ont mis en retard. Mais les éléments qui vont venir, quand ils ne sont pas respectés, on est trop en avance. Quand on est trop en avance, ça crée aussi d'autres problèmes. Alléluia. Il faut faire les choses dans le bon timing, dans le bon temps de Dieu, dans les bonnes saisons de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on va arriver à faire, parce qu'on a d'autres personnes qui, en fait, ne sont pas en retard, mais qui sont trop pressées. Alléluia. Qui vont trop vite et qui sautent les étapes. Que Dieu nous apprenne à être dans notre temps et que toutes les conséquences, vous allez voir que les conséquences peuvent être très dramatiques lorsqu'on dépasse son temps. Ok? Lorsqu'on dépasse son temps, ça peut être très dramatique. Il y en a beaucoup aussi, malheureusement, qui dans certains domaines de leur vie en ont été victimes. Bref, ça sera donc les points que nous allons aborder à partir de dimanche prochain. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour cette parole. Nous voulons rendre grâce à Dieu et passer et apporter notre deuxième offrande, qui est une offrande de remerciement, qui est une offrande de merci, merci Jésus. Amen. Nous allons donc apporter cette offrande et les informations passent sur l'écran. Alors, pendant que tu t'apprêtes à donner, je veux te rendre un petit témoignage. Vous savez, parce qu'on est en ligne, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment la puissance du donner. Voilà, il ne faut pas le faire du tout. Ou bien, les gens disent, non, la période qui est là, elle n'est pas intéressante, c'est une période difficile, ce n'est pas le moment de faire des offrandes, il faut être économiste, il faut gérer tout ça. Non, 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 il ne faut pas agir dans la chair. Tu sais, Isaac, la Bible dit que Isaac a semé pendant une période de famine et il a moissonné au centuple. Et c'est vraiment une superbe période pour semer. Une sœur de l'église m'a écrit, elle m'a expliqué comment dans cette période-là, donc de crise, elle a eu à cœur de faire une semence de 300 000 francs qui constituait trop pour son salaire. Ça va la mettre en difficulté pour achever son mois. Mais elle sentait que c'était l'esprit, elle a obéi au Saint-Esprit et elle a semé dans une période de famine. Elle a semé ces 300 000 francs-là. Et Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Non seulement le mois qu'elle craignait de finir dangereusement, elle l'a fini favorablement. Alléluia. Ça a été extraordinaire. Et dès que le mois d'après est venu, donc je crois que c'est le mois d'avril, dès qu'on est entré en avril ou en mai, je ne sais plus, entre les deux mois-là, dès qu'on est entré, elle voit sur son compte un virement surnaturel inattendu, glorieux. On lui a transféré un montant de 15 millions de francs CFA. Amen. Donc aujourd'hui là, j'ai une onction de transfert miraculeux. Est-ce que tu es prêt à recevoir un transfert miraculeux? Alléluia. Elle a reçu un transfert miraculeux de près de 15 millions de francs CFA dans la période de confinement. Amen. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alors je crois que le Seigneur est en train de défier. Ne laisse pas passer cette opportunité de dire merci à Dieu pour la parole. Sème dans cette parole. Alléluia. Et puis attends-moi pour la bénédiction finale. J'ai une parole pour toi. Nous allons apporter nos offrandes au Seigneur suivant les indications habituelles dans les paniers, dans les enveloppes ou par les mobile money ou encore par transfert. Tout est vous indiqué sur l'écran. Apportons au Seigneur et dans le même temps, suivons les bonnes nouvelles, les good news. Un soldat est toujours prêt pour le combat. Un missionnaire est toujours prêt pour la moisson. Alors, soyons prêts pour le go! Très bientôt, le 1939 sera dans le centre de la Côte d'Ivoire. Soldat, pas maintenant au nom de Jésus! Semaine au mardi du mariage. Hommes, femmes, des différences à ne pas prendre à la légère. Rendez-vous sur notre page Facebook Coupe d'honneur à partir de 19h. Et désormais, suivez-nous sur notre page YouTube Coupe d'honneur. Des milliers de personnes meurent chaque jour sans connaître Christ. En tant que chrétien, nous devons agir. C'est pourquoi j'ai intégré le club de vie.
Avec 10 dollars par mois, je soutiens l'évangélisation. Je soutiens le ministère Message de Vie. Alors fais comme moi. Inscris-toi sur www.messagedevie.org ou envoie ton nom et ton adresse au 225 97 100 par SMS ou WhatsApp. Ton don permettra à une personne de connaître Jésus et d'être sauvée des flammes de l'enfer. Au Club de Vie, nous communiquons la vie. Pentecôte 2020, lundi spécial de Pentecôte à Vase d'Honneur. Un moment où le Seigneur répandra son onction sur son peuple. Effusion, Joël 2, verset 28. Une nouvelle dimension pour la fin des temps. Effusion, lundi 1er juin 2020 à partir de 16h. Avec le pasteur Mohamed Salobo et comme invités spéciaux, le pasteur Ivan Castanou de l'église Impact Centre Chrétien et le révérend Steve Mansa de l'église charismatique Evangelic Ministry. Rendez-vous en direct sur nos pages Facebook et YouTube, Église Vase d'Honneur, et sur notre site www.vasedhonneur.org. Pentecôte 2020, l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Ok, donc comme vous l'avez vu, amen, j'ai déjà parlé donc, de ce programme Effusion, à ne pas manquer, à le mettre dans votre calendrier, donc c'est très important. Et la deuxième information très importante, c'est celle relative à donc, la décision ici donc, en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la ville d'Abidjan par rapport aux différentes restrictions dues au vide zéro. Certaines restrictions donc, ont évolué, donc on n'a plus de couvre-feu et... on passe d'une autorisation de 50 personnes, de rassemblement de 50 personnes à 200 personnes. Amen. Alors, comme vous le savez, même avec 200 personnes à Kodesh, on va faire deux jours de culte, ok? Sinon, plusieurs jours de culte. Donc, nos cultes vont continuer correctement comme ils sont faits en ligne. Mais on va aménager des salles de diffusion. On va aménager donc la salle pour de la diffusion. Pour de la diffusion du culte. Donc si vous avez des problèmes de connexion, des difficultés de connexion, vous êtes difficile de suivre chez vous ou à la radio. Sinon, vous pouvez rester dans les radios. Donc si vous avez des difficultés de connexion, vous serez donc autorisé à venir pour les 5 diffusions qui vont avoir lieu à partir du samedi. Donc le samedi sera diffusé, le culte du samedi, de 18h30 jusqu'aux environs de 20h30, 21h par là. Amen. Donc 200 personnes, mais pas de, qu'est-ce que je raconte? Oui, à peu près, donc 200 personnes, voilà. Mais on va faire un peu moins, seront autorisées. Et pour pouvoir participer, être venir physiquement, il faut, un, vous inscrire en ligne. Il faut aller donc sur notre site internet www.vasehonneur.org et vous enregistrer. Si les 200 personnes sont atteintes, vous ne pouvez pas avoir accès. Et quand vous allez arriver devant, vous n'allez pas rentrer. Ok? Voilà. Le dimanche, 200 personnes pour le premier culte du dimanche qui sera une rediffusion du culte du samedi. Le dimanche de 6h à 8h, on va rediffuser le culte du samedi. Donc, si vous voulez venir physiquement pour la prière de guérison, vous pouvez venir le samedi ou le dimanche entre 6h et 8h. Mais au préalable, vous inscrire en ligne. Amen. Si tu n'es pas inscrit, tu ne pourras pas venir. On ne te laissera pas rentrer parce qu'il faut qu'au maximum, on ait 200 personnes ici et qu'on puisse respecter la mesure de distanciation. Ok? Donc, premier culte du dimanche, 6h, 8h. Après, 9h, 11h. Et après 11h, on a... Est-ce que j'ai les horaires ici? Voilà. Hein? Affichez-les sur l'écran. Affichez-les, s'il vous plaît. Sur le grand écran. Pas sur mon retour seulement. Voilà, pour qu'on lise. Ok. Ok? Donc, 9h, 11h, 12h, 14h et 16h, 18h. Donc, le culte de 9h, 11h, c'est celui qu'on fait, c'est le culte habituel. Donc, 9h, 11h. Et après ça, c'est toutes des diffusions. OK? C'est toutes des diffusions. Amen. Voilà. Donc, voici les différents horaires. Donc, il faut s'inscrire en ligne ou venir dans la semaine au secrétariat de Kodesh. Et puis, voir s'il y a de la place pour vous. Amen. Voilà. S'il y a de la place. S'il n'y a pas de place,
tu suis à la radio, tu suis en ligne, c'est pareil. Amen. Dès qu'on aura l'opportunité de revenir tous ensemble, on va faire un grand culte. Un dangereux culte. Et quand je pense à ce culte-là, frère, non, ce jour-là, je vous dis, hein, on va faire quelque chose de dangereux. Amen. Je crois qu'on va prendre un stade pour faire un seul culte. On va se venger. Vous voyez l'affaire? On va se venger. C'est-à-dire ce jour-là, on vient faire 5 heures. On loue jusqu'à... Ce jour-là, peut-être, il n'y aura pas de message. Hein. Vous voyez, non? On vient, on célèbre Jésus. On entend des paroles prophétiques. On célèbre le Seigneur. Amen. Ce jour-là arrive très, très, très bientôt. Amen. Donc, en attendant, donc, venez, vous pouvez venir si vous êtes inscrit pour les diffusions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons recevoir les nouvelles personnes. Alors, les nouvelles personnes en ligne, c'est ceux qui suivent ce culte-là pour la première fois. Et c'est aussi ceux qui prennent la décision maintenant de donner leur vie à Jésus. Alléluia. Oui, mon ami, le retard dans la vie commence d'abord par le péché. Le péché, c'est ce qui te fait rater le but. Le mot péché signifie rater le but. Mais la Bible dit que voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est-à-dire qui ramène les gens vers le but et la destination qu'ils auraient dû prendre. Ok? C'est l'occasion pour toi de te tourner vers Jésus. Si Dieu t'a connecté à ce culte, c'est pour que tu rencontres le Christ, le Seigneur qui te conduira à bon port, qui te conduira à réaliser ta destinée. Tu sens que le jour de ta conversion est arrivé, maintenant donne-toi à Jésus. Et nous sommes prêts à te recevoir, à t'accueillir. Alléluia. Et pour toutes les nouvelles personnes, et surtout pour celles qui veulent rejoindre l'église Vase d'honneur, voici l'indication qui est là sur l'écran. Il vous suffit d'aller à ces différentes adresses, de scanner le code qui s'affiche là, ou d'envoyer un texte WhatsApp au numéro qui s'affiche là, et vous serez directement pris en compte par des pasteurs qui vont vous aider, vous suivre spirituellement, vous faire suivre pour le baptême et les différents cours. Nous sommes aussi une église qui existe en ligne. Alléluia. Alors on a un chant à vous tous, ceux qui donnent leur vie à Jésus. On a un chant pour vous souhaiter la bienvenue avec Intimacy Choir. Recevons nos nouveaux. Les nouveaux, les anciens en ligne, envoyez des petits mots à vos nouveaux et on vous bénit tous, recevez grâce et faveur. Ta maison, la femme, dans ta maison, dans ton travail, dans ton foyer, béni, 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 béni. La main de Dieu est sur toi, tu es béni. Vraiment, soyez les bienvenus à bas. Soyez les bienvenus à bas. Tu es ici chez toi. Tu es ici chez moi. Tu es ici chez moi. Alléluia. Une bonne acclamation pour nos nouveaux. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez eu les numéros, vous avez eu les scans. Scannez et puis soyez les bienvenus. Rejoignez cette wonderful family. Amen. Amen. And for those who follow us in English, welcome in this church. You can join this church. We can be with you, be together and celebrate our Lord in English. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, je veux relâcher des paroles de bénédiction. Et dans les paroles de bénédiction, il y a la prière pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Dis simplement à ta place, Jésus, Jésus, je te donne ma vie. Je me tourne vers toi en ce jour. Je marche, je prends la décision de te suivre pour toujours. Amen. Amen. Et je veux déclarer une parole de bénédiction pour ta semaine. Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce? Est-ce que tu es prêt à recevoir la faveur? Alléluia. Alléluia. Je vois dans l'esprit comme des plantes.
verte qui monte avec des feuilles. Et je ne vois pas déjà les, je ne vois pas les fruits, mais je vois juste les plantes qui montent. Et ça me rappelle un passage d'Apocalypse qui dit qu'il y avait un arbre qui donnait des feuilles et les feuilles étaient la solution, la guérison des nations. Alors quand je vois ces feuilles-là, c'est comme un esprit de guérison, un esprit de restauration. Je crois que quelque chose de puissant va se passer dans l'atmosphère pour guérir les nations de ce vide zéro dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le vent de la guérison, le vent de la restauration coule sur les nations, souffle sur les nations afin de rétablir, de restaurer, de guérir les nations au nom de Jésus de Nazareth. Mais ta vie aussi est restaurée. Les feuilles annoncent la guérison de ta vie, annoncent la restauration de ta vie. Tous ceux qui ont été blessés, frustrés, blessus, malades, recevez la guérison divine au nom de Jésus. Je vois pendant que je parle et je prophétise comme des barrières à ta droite et à ta gauche. Ça me parle de balises, ça me parle de protection. Si ton véhicule veut dévier à gauche ou à droite, une protection va t'empêcher. Je vois la protection divine qui protège les véhicules, qui protège les vies, qui protège les familles. Mais c'est comme des barrières qui montrent un chemin. Cette semaine, tu reçois une direction précise par rapport à certaines choses que tu attends. Cette semaine, le Seigneur te montre le chemin que tu dois emprunter. Cette semaine, le Seigneur balise, c'est-à-dire, si tu es en train de dévier, les barrières que je vois en esprit vont t'empêcher de dévier. Si un séducteur s'était approché de toi, les barrières divines que Dieu a mises à côté de toi t'éviteront de tomber dans les pièges des séducteurs. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Et je déclare et je prophétise des transferts divins surnaturels au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des blocages financiers sérieux, que la main de Dieu s'étende dans votre vie et que Dieu vous surprenne favorablement dans le nom de Jésus. Que dans cette semaine-là, il t'accorde d'entrer dans une dimension des millions. Au nom de Jésus, si tu n'étais pas encore dans cette dimension, la faveur divine avec toi, je te bénis dans le nom de Jésus. Ta famille est bénie, ta maison est bénie, la grâce surabonde dans ta vie. Bénie au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et pour sceller la fin de ces paroles et de ce culte, nous voulons recevoir, amen, le pasteur Liliane qui va nous conduire dans le repas du Seigneur. Amen. Et n'oubliez pas, alléluia, vos dévotionnels, amen, de les lire, de les méditer, de vous les procurer si vous ne les avez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. De demeurer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Si tu as été béni par ce merveilleux service, si tu as été béni par cette parole, oh combien puissante et fort, tu vas encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclame ton Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole que nous recevons et nous disons oui et amen à cette merveilleuse parole. Alléluia. Avant de terminer ce moment, nous allons donner une annonce supplémentaire. Le pasteur a annoncé la reprise de culte en présentiel. C'est plutôt des diffusions, effectivement. Et je voudrais compléter cette information en disant que la diffusion de nos cultes se fera à partir du samedi 23 dans nos familles d'honneur. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres et je voudrais inviter toutes les personnes qui sont baptisées par immersion et qui se sont prêtes ce matin à participer à la table du Seigneur à bien vouloir se tenir debout. Tu as préparé chez toi les symboles de la Sainte Cène, le pain sans levain et le jus de raisin qui est le sang de Jésus que nous allons partager. Je lis la parole de Dieu dans Actes 2, le verset 41, il est dit « Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes à l'Église. Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les
prière. Alléluia. Nous allons persévérer dans toutes ces paroles que nous avons reçues et nous croyons que le Seigneur va ajouter à nos vies bénédiction sur bénédiction, faveur sur faveur. Alléluia. Alors nous nous approchons de la table du Seigneur. Alléluia. La Sainte Cène est ce repas que le Seigneur Jésus, avant de quitter la terre, a instauré. La Bible dit avant qu'il se rende à Golgotha, où il devait être crucifié, il s'est réuni avec ses disciples et il a pris le pain. Alléluia. La Bible dit qu'il a rendu grâce et il a dit cette chose importante. Il dit, ceci est mon corps livré pour vous. Père, nous voulons te dire merci pour ton Fils que tu as donné en sacrifice pour nous. Nous recevons le corps de Christ, ô Dieu vivant. Que le corps du Seigneur en nous nous apporte la vie et vienne détruire en nous tout ce qui ne te glorifie pas. Toutes les maisons, ô Dieu vivant, qui n'ont pas été bâties par toi, Seigneur, sont renversées par la vie de Jésus en nous. Ensemble, nous prenons le corps du Seigneur. La Bible nous dit également qu'à la fin du repas, il a pris la coupe. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il a partagé la coupe et il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Père, nous voulons te dire merci. Pour ton sang qui a coulé à Golgotha pour notre rédemption. Merci pour la délivrance que nous avons par ton sang qui coule en nous, ô Dieu vivant. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Nous prenons ensemble le sang du Seigneur Jésus. Excellent dimanche, frères et sœurs. Que la gloire du Seigneur nous inonde. Amen.